Allez, tu sais, oh, ça avait bien du bon sens, ça, mon ami. Ouais. Fait que je vais, aller chercher ma distance, premièrement. Ça m'apparaît assez simple là, comme deuxième coup. 165, un drapeau en plein centre du green, donc chaque côté, j'ai de l'espace. En profondeur ou en avant, j'ai de l'espace. Fait que la stratégie ici, c'est « all-in », comme on pourrait dire. Ouais? Ouais. Tu sais, souvent, on parle de jouer safe, puis de faire attention à ci, puis à ça. Là, on a un feu vert. Fait que c'est parce qu'on pense trop souvent. Bien, ça arrive, là, tu sais, là, veux pas... C'est soit qu'on pense trop ou on pense pas pantoute, c'est sûr, si on est... On parle, on jase. Ah, c'est à moi de jouer, bing-bang, on joue. Ça prend un minimum d'analyse. Ouais. Maintenant, ici, c'est assez facile de voir que le drapeau est en plein centre. Il y a pas trop de vent. Ça descend un petit peu. Fait que 165, moi, je me dis, bon coup de fer 7. Puis d'après moi, je suis capable d'avoir la bonne distance. Fait que là, là c'est le temps d'attaquer le drapeau. Fait que c'est ce que je vais essayer de faire. OK. Parce que des birdies, ça se fait en mettant la balle proche aussi. C'est sûr, si on est tout le temps à 35 pieds du trou, on a moins de chance. Là, le risque puis les pénalités ici sont quand même... Ah ouais. Tu sais, là, ça fait bien du sens. Fait que c'est vraiment le temps d'attaquer le drapeau. Un petit peu à droite du drapeau, j'ai eu un bonbon vers le drapeau. Quand même satisfait, même si je suis pas à 3 pieds du trou, j'ai quand même une chance de bleu. Bravo. All right. Essaye-tu ça? Eh oui, ça fait. Garde-toi donc, on joue Vegas, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai. On joue Vegas quand, c'est à mon avantage. OK, pas de problème. Garde-toi. J'aime ça, la stratégie all-in. Ben, il faut que tu la sortes au bon moment. Des fois, tu as tendance à la sortir quand c'est pas le temps, mais on travaille là-dessus. Bien placé, pas en montant. Ça a du sens. C'est ça que ça prenait.